Vous savez, l'enfant, pour qu'il ait une expérience, peut-être qu'il a l'expérience de la vie dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que cette expérience-là, il l'a vécue douloureuse à partir de la 26e semaine de vie intra-utérine. Alors, à partir de 26 semaines de vie intra-utérine, l'enfant commence à ressentir la douleur. Vous allez dire pourquoi et comment vous pouvez être sûr de ça, etc. Bon, ce sont les savants et les électrophysiologistes qui ont prouvé ça. Comment? Eh bien, c'est simple. Je vous rappelle le schéma dont je vous ai parlé ce matin sur les différentes parties de ce système nociceptif. Ce système nociceptif qui est constitué de 3 neurones, de 2 synapses, des organes supérieurs, du nocicepteur et des organes de contrôle de la douleur. Eh bien, chez l'enfant, avant 26 semaines, les structures ne sont pas associées entre elles. Elles existent, mais de manière séparée. Et ce n'est qu'à 26 semaines de vie intra-utérine que tout le système s'agence ensemble. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on dit toujours, voilà, l'enfant souffre moins que l'adulte. Eh bien, c'est une grave erreur. Et pourquoi c'est une grave erreur? Eh bien, j'ai une deuxième information à vous apporter. C'est que, justement, les systèmes de contrôle chez l'enfant sont immatures. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le système qui permet de filtrer la douleur n'est pas mature comme chez l'adulte. Donc il a moins de capacité de filtrer la sensation douloureuse sévère. D'accord. Donc l'information douloureuse à partir de 26 semaines, l'information va arriver jusqu'au cerveau et c'est la descente qui est immature. Voilà. Tout à fait. Et donc il aura plus mal. Il aura plus mal. Voilà. Pas des moyens de la moduler. De la moduler, tout à fait. D'accord. Donc ça, ce sont deux informations qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que en plus, ce qu'on va se dire, c'est que cet enfant-là, il va évoluer dans le temps. Il n'aura pas le même, si vous voulez, les mêmes, la même compréhension de tout ce qui l'entoure ou de la douleur comme à tous les âges de la vie. Au plus il va grandir et au plus il va comprendre. Mais quand il est tout petit, tout est un peu flou. Voyez. Donc la compréhension de la douleur, elle va évoluer au fur et à mesure qu'il grandit avec l'âge. Et au moment où il va, au moment où il va être plus grand, il va vouloir questionner. J'ai mal, pourquoi j'ai mal, ça brûle, pourquoi ça brûle. Il va poser des questions et c'est là où il faudra l'informer et lui expliquer tout ce qui concerne la douleur afin, qu'il accepte, je veux dire, son mal et qu'il accepte les traitements aussi, on va dire. D'accord? Voilà. Donc, les stades de développement cognitif de l'enfant sont très importants. Alors, ces stades de développement cognitif de l'enfant se déroulent entre 0 et 2 ans, se déroulent entre 2 ans et 7 ans, se déroulent également entre 7 ans et 11 ans, stade des opérations concrètes, et après l'âge de 11 ans, stade des opérations, on les appelle opérations formelles. D'accord? Donc, vous avez vu, ces éléments sont très importants. Alors, je voudrais vous donner un quatrième renseignement, parce que je vous en ai donné un, 26e de la vie intra-utérine. Deuxièmement,
l'immaturité du système de contrôle. Troisièmement, le développement cognitif de l'enfant par rapport à l'âge. Je voudrais vous parler aussi d'une chose, c'est les composantes de la douleur. Alors, les composantes de la douleur sont différentes par rapport à l'adulte. On avait parlé tout à l'heure des composantes cognitives, sensoridiscriminatives, affectives et émotionnelles et comportementales. Eh bien, la composante sensoridiscriminative est traduite avant tout par le langage. Et le langage de l'enfant, je vous rappelle qu'il n'est pas possible d'avoir, si vous voulez, une information de la part de l'enfant. Donc c'est cette composante-là qui va, si vous voulez, être insuffisante chez l'enfant et qui va changer dans le temps. Deuxième composante, c'est la composante affective et émotionnelle qui varie également selon l'âge de l'enfant. Le contexte dans lequel survient la maladie, l'incertitude quant à son évolution, l'attitude de l'entourage fait que cette composante également n'est pas la même que celle de l'adulte. Et enfin, la composante comportementale qui varie selon les expériences antérieures, l'attitude familiale et soignante, le milieu culturel, les standards sociaux liés à l'âge et le sexe font que cette composante également comportementale va varier dans le temps. Alors voilà, et enfin, une dernière information avant de passer la parole au docteur Gay, c'est le type de douleur. Alors sur les mécanismes de la douleur, alors il y a une très grande similitude par rapport aux mécanismes de la douleur. Là, par excès de nociception, c'est le mécanisme le plus fréquent. Il est à peu près identique à celui de l'adulte. Elle se traduit par une douleur localisée, de topographie non neurologique, avec un horaire inflammatoire ou mécanique. D'accord ? Voilà. La douleur neuropathique qui est liée à un dysfonctionnement du système nerveux, avec des sensations qui sont pour l'enfant étranges, difficiles à décrire, d'autant plus qu'il a une communication qui est un peu difficile par rapport à l'âge. Il va traduire son ressenti sous forme de brûlure, de picotement, de sensations bizarres, vous voyez. Donc, et il y a également la douleur médiée par le système nerveux sympathique. Alors là, on a également des sensations qui sont ressenties par l'enfant, qui sont décrites comme des douleurs profondes, des brûlures, un grignotage. L'utilisation des termes chez l'enfant n'est pas identique. Il va utiliser des termes à lui, qui sont propres à l'enfant, n'est-ce pas, et qu'il va falloir décoder, et qui sont pas... Et donc, si vous voulez, le médecin devra avoir une connaissance un petit peu des termes qui sont utilisés chez l'enfant. C'est pour ça que la douleur de l'enfant, elle entre également dans une micro-spécialité d'algologie. Pourquoi ? Parce qu'il doit s'attendre à ces termes-là et doit les relier aux douleurs neuropathiques ou aux douleurs médiées par le système nerveux sympathique. Je voudrais aussi vous parler de deux autres types de douleurs qu'on rencontre chez l'enfant, la douleur idiopathique et la douleur psychogène. La douleur idiopathique, elle, par exemple, c'est une douleur qui est souvent riche, qui est décrite de manière imprécise, qui varie dans le temps. Et là aussi, chez l'enfant, donc c'est une sensation un peu étrange. Et les difficultés du praticien pour essayer de la détecter, cette douleur idiopathique, demande des compétences. Enfin, la douleur psychogène, elle est pure et elle est rare chez l'enfant. Elle se rencontre généralement chez les patients ayant une sémiologie psychopathologique particulière. Voilà, donc je vous ai tout dit, hein, ou presque, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à connaître dans le domaine de la physiopathologie de l'enfant, et je vous remercie.